Oh, jeune entrepreneur, est-ce que tu veux faire partie des 5% de la population les plus riches? Casse-toi, oui. Casse-toi, je te jure, je vais m'énerver. Casse-toi. Oui, vas-y. Moi, je pose la question, elle a vite répondu, mec. Tu veux faire pitié à pied ou tu vas avoir une punto, là? Grosse dédicace aux nouveaux membres de la chaîne, Arc X-Ray, Lusty, Sivai, Ofa Officiel et Matt Murillo. Merci à vous la team, vous gérez. Jeune entrepreneur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Pourquoi? Est-ce que vous préférez conduire dans votre taxi de merde ou est-ce que vous préférez avoir un beau scooter comme le mien? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ouais, c'est vrai. Donc moi je te propose, rejoins-moi. Non, ça va aller. Non mais rejoins-moi sur mon scooter, mec. Ah mais en fait, moi, contrairement à toi, j'ai un taf, toi. Mais en fait, Théma, moi, je suis millionnaire, là. Genre, en fait, c'est un scooter Gucci, man. Tes oui, chaussures d'amis aussi, je sais pas. J'ai vite répondu à la question, salope. Tu vas monter, hein. Bon. Rejoins-moi, salope. Hop. Est-ce que tu veux faire partie des 90%? Est-ce que tu veux faire pitié et conduire ton taxi? Ou est-ce que tu veux me rejoindre dans mon putain de scooter, mec? Bon, c'est quoi le problème? Tu veux que je sors, en fait, c'est ça? Bah, rejoins-moi, on va faire la formation pour être riche et tout. Ça va quoi, les mecs? Mec, écoute-moi, est-ce que tu veux faire pitié et conduire ta voiture de merde toute bleue, là? Ou est-ce que tu veux conduire mon putain de scooter Gucci? Je pense que la question est vite répondue. Ouais, donc, si tu veux faire partie des 5% de la population, rejoins-moi. C'est vrai? Ok, on fait ça. Vas-y, bah, rejoins-moi sur mon scooter, mec. Ma vie, beau gosse. Oh, rejoins-moi, salope. Salut à toi, jeune entrepreneur. Écoute-moi, est-ce que tu veux faire partie des 5% de la population qui possède 90% des richesses? Bah ouais, direct. Ok, donc moi, je dis, si tu veux pas faire pitié à marcher à pied, ouais. Et que tu préfères plutôt rouler dans ma caisse, bah rejoins-moi. Je monte alors, hein, c'est ça? C'est ça, tu montes. Voilà. Voilà. Moi, je te rejoins. Voilà, là, tu vois, là, tu fais pas pitié, là. Là, t'es un mec stylé, là. Là, maintenant, t'es un mec riche. Alors attends, la formation elle va commencer, juste j'inspecte le périmètre. Ok, donc la première étape de la formation c'est d'enculer le mec là. Tu lui voles sa moto et après tu te fais des sous là. Ça marche? Vas-y, fais ça bébé. Oh, passe ta moto. Passe ta moto sinon je te plante. Dégomme. Oh putain. Oh mec, oh. C'est mon étudiant là, laisse-le, hein. Il s'entraîne, c'est mon stagiaire. Passe ta moto. Fils de pute. Bon alors, premier ban en Pologne, ça c'est fait. Ça fait du bruit sa mère mon PC, hein. Alors j'essaierai de vous enlever le bruit au montage parce que là il est en mode réacteur d'avion, je sais pas quoi. Regardez juste le setup. Hop là, le petit PC portable, la petite perche. La petite souris et voilà. Hein? Deux. Attends. Non, me dis pas qu'il m'a reconnu, fils de pute. Reviens! Quoi? Mais putain, mais ta mère la pute, mec, c'est bon, hein. Oh, gros patapouf! Allez, c'est bon, niqué Homer. Patapouf! Premier abonné de Pologne. Mais pourquoi je tombe? Attends, viens, je te passe une voiture, viens. J'ai une Mercedes. Vas-y, tiens. The Bee. Mais ah, mais merci! Ok, le mec il referme derrière, ah ouais. Ça la joue comme ça, là. Je la loupe pour toi. On se prépare à se casser les gars. Vite, démarre fils de pute. Allez, salut bébé. Oh, jeune entrepreneur, arrête-toi. Bouge, oh, là. Les PD, les attends, PD. Oh, jeune entrepreneur. Écoute-moi, j'ai un truc à te proposer. Ça a marché, allez, casse-toi. Est-ce que tu veux faire partie des 5% de la population? Attends, juste vite fait. Attends, 10 secondes, 10 secondes, je fais juste un truc. Est-ce que tu veux faire pitié à rester à pied? Non, t'as dit quoi? Tu veux être... T'es entrepreneur? Oh, toi, tu peux dégager, s'il te plaît, merci. Non, mais mec, en fait, je recrute une des entrepreneurs, là. Eh, vas-y, viens, on s'éloigne. Oh, gros macaque, viens. Je reste avec mon bébé. Oh, jeune entrepreneur. Casse-toi, je te jure, je vais m'énerver. Oui, vas-y. Moi, je pense à la question, elle a vite répondu, mec. Tu veux faire pitié à pied ou tu vas avoir une punto, là? Non, je veux être en voiture. Vas-y. Le début de la formation, c'est tu maravins, mec. D'accord, ben, vas-y, on va quelque part et on va en maravins. Mais marre avant mec ici là. Ah bonsoir. Mais je peux pas. Ricardo, tu peux le ban s'il te plaît. On peut pas.
Banne le mec en blanc, banne le mec en blanc. Qui, moi, moi? Là, on se casse. Oh, t'as les classes, t'as pas dit. Ah ouais, il y a une voiture d'entrepreneur, celui-là. C'est stylé ta voiture d'entrepreneur, mec. T'as vu ça, t'as vu ça? Attends, je vais mettre une musique. T'es plus riche que 95% de la population, toi. Savez-vous que 5% de la population possède 95% des richesses? Ouais, je sais. Ok, alors est-ce que vous voulez faire pitié avec votre sac à dos, hein, ou est-ce que vous voulez vous acheter un Boco Star comme le mien? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Non, ça va. Ah, vous voulez faire pitié comme ça? Ah ouais, miskin, ah bah faites pitié, monsieur. Moi je dis... Comment ça je fais pitié? Moi je dis, monsieur, appelez votre chirurgien pour qu'il vous greffe vos neurones, hein, parce que voilà. Tellement, il s'appelle Jean-Kévin, mais j'aime faire chier. Allez demander de l'argent à votre grand-mère pour qu'elle vous paye un resto, hein. Ça vole les voitures des autres, ça c'est bien ça. Vous voulez aller où? Chez ta mère. Ah bah voilà. Salut les gars. Ah c'est ta famille. Ah c'est ta famille atteint de la tri 2021. Ah oui, ça va. What, c'est quoi ce serveur, frère? Pourquoi il peut pas bouger, hein? Ah mais il est mort ce con, hein. Ah tu fais pitié, t'es mort, hein. Tu fais pitié. Vous faites quoi là? Voilà, vous faites quoi? Hein? En fait, moi je viens recruter des entrepreneurs. Oh salope là, tu es pitié. Ta gueule, là t'es mort, tu parles. Portez-le, portez-le. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? À l'aide, ils m'ont free kill. Ça va, gros patapouf ou quoi, frérot? Attendez, mais vous êtes où là en fait? Je vois pas là. Ah, vous êtes là-dedans là? Ouais, stylé là, la bagnole. Annick Taras, elle est stylée. Ça c'est pas très entrepreneurial ça. Au médecin. Et ouais. Médic. Merci à toi, jeune entrepreneur. On lève les mains, toi. Hein? On lève les mains, putain, je te dis. Lève les mains. Attends, y'a qui me parle? Là, c'est rien, attendez, ça attendez. Rien, les gars, ça rien. Là, je lève le doigt. Lève les mains. Là, je lève le doigt, ça compte ou pas? Non, lève les mains. Je sais pas, c'est quoi la touche. Non, les gars, c'est inutile, vraiment, il va. Oh, il fait quoi là? Oh, t'es pédé, mec. Ah ouais, moi je suis pédé, moi. Il est pédé. Je suis pédé en étant une meuf, bah super. Attendez, je vous vois plus là. Attendez, il y a trop de pédé là. Putain, mais c'est quoi? Il y a trop de quoi, coup de merde. Hein? Non, les gars, ça sert à rien. Bah justement, ça sert à rien, on va s'amuser alors. Ça va être une perte de temps. Non, en fait, moi je suis un entrepreneur à la base. Arrêtez de faire pitié là. Ferme-la ta gueule. Vous pouvez faire pitié et vivre dans vos HLM qui pue la pisse. Mais vous rejoindre dans mon gratte-ciel. Parlez pas tout en même temps. Là t'es en pinto. Il faut personne, gros. Ouais, mais t'es à pied. Tu fais quoi? Lève-toi. Je vais te mettre une balle dans la tête. Lève-toi, Mano là. Ah, c'est bon, je me vois là. Elle est faite. Pourquoi je suis sous la terre? Yes. Ya. Yeah. What? Ok. Bon, voilà. C'est normal en Pologne, comme on dit. Mais non, mais mec, c'est quoi ce trou là? C'est la porte vers le chétan, ça. Allez, bande de salopes, là, les balas, on vous baise. Savais-tu que 95% de la population possède 5% des richesses? D'accord. Alors, si tu veux faire pitié et marcher à pied, ah. Ou plutôt avoir un beau poids comme le mien, je pense que la question est vite répondue et il vaut mieux me rejoindre. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah oui, hein. Bah oui. T'as capté, man? Ah ouais. Prends le contact par mail. Tiens, je te laisse mon contact par mail. Non merci. Je t'appelle cette nuit, hein. Ah ouais, vas-y, tu m'envoies à minuit. Tu sais quoi, à minuit, je t'appelle. Un truc sur Messenger et on règle ça, d'accord? Ça marche, bébé. Allez, bisous mon cœur. Wesh les salopes. Alors. Allez, baisse-lui. Baisse-lui sa mère la pute. Est-ce que vous voulez faire pitié? Est-ce que vous voulez faire pitié et marcher à pied? Ou est-ce que vous préférez avoir un beau quad comme ça? Oh, patapouf, viens pas vers la pute, fils de pute! Je pense la question est vite répondue. Oh, patapouf, dédicace! La question est vite répondue, les gars. OPD, tu fais pitié avec ta lambeau là. Baisse ta mère. Ta lambeau, elle fait pitié, mec. Mange mon GG. Tu l'es le quad, hein? Bah ouais, mais on est des entrepreneurs, nous. Vous avez des sous, non? Bah ouais, monsieur, on a des sous. Donnez-moi des sous, non? Bah non. Mais monsieur, en fait, vous faites pitié, vous faites partie de 95% de la population, hein. Vous n'avez pas d'argent, monsieur. Ah, Miski, ne parlez même pas en fait. Hein. Ne parlez même pas, monsieur. J'ai. Attends, avec votre quad de Lidl là. C'est qui a pas d'argent, Mano? C'est qui a pas d'argent? Ah, mais. Miski, c'est du plastique, ça, c'est Made in China. Oui.
Moi je pense que la question est vite répondue, hein. C'est qui le pauvre ici? Je pense que c'est moi. Putain, mais je pense que c'est toi. Putain, mais je me cache tout seul, frère. Mais putain, mais mec, c'est nique ta mère aussi un jour. Apprends à conduire, salope. Hein. Tu vas. Mais non. C'est pas conduire. Ok, je te reporte, j'appelle l'admin, oh, c'est bon. Ouais. T'es pas un vrai entrepreneur, fils de pute. Hop là, y'a le code barre, c'est bon. Hop là, le code barre, bim. Ouais, le code barre de la chatte à ta mère. Sinon, t'as de la thune ou? Bah. Wow. Le mec, il va me faire un croche-pat, ce bâtard là. Arrête, arrête. Viens là, salope. Salope. Arrête, salope. Arrête, salope. Ah, je le nique. Salope. Voilà. Salope. Allez, nice. C'est moi le papa ici. Viens, viens. Tu comprends qui est le papa? Viens. C'est moi le papa. C'est moi le. Ah, c'est sûr. Oh non, j'ai rien fait, gros. Mais tu. Eh, voilà, fais pas les fous. C'est monsieur propre qui gère ici. Vas-y, viens, gros. Mais pourquoi il tombe, Strizo, là? Il a un problème mental. Ouais, j'avoue. Mais pourquoi tu tombes, mec? Apprends à marcher, fils de pute. Aïe! Arrête! Tricheur! Niquez-le! C'est quoi ce serveur où on se casse la gueule tout seul? Est-ce que tu veux faire pitié? Ah, hein, pas ta peau. Et pas savoir marcher? Monsieur propre, hein, monsieur propre! Ou est-ce que tu veux rejoindre mon gang? Ah merde. Ah, t'es mort! Ah, y'a ta flaque de sang là, je fais des. Et je suis patauge là-dedans, frère. Attends, viens. Ah bah, dommage, je vais KO là. Je joue avec mon canard dans ta flaque de sang, frère. Je voulais te donner une mitraillette, mais bon, c'est pas grave. Comment je l'utilise, le couteau? Ah, c'est bon, ok. Putain, y'a un Big Mac par terre. Hein. Oh mec, y'a un Big Mac au sol, hein, tes mains. Ouais, t'as dit, mais on peut pas le graille en fait. Monsieur, ça va? Gros patapouf. Comment ça? Je t'aime. Je sais pas si vous parlez, mais ouais. J'ai pas de soucis. Ouais, vas-y. <J'ai le vie. rire> Oh, excusez-moi, j'ai un entrepreneur. Hein. Oh, c'est Nook. Ouais, c'est Nook, ça va les Kinder? Hein. Pouf, gros pote. Ça va les Kinder. Voilà les frères. Les Kinder. Je vais rien faire. Go voir les ballasts là, je sais pas quoi là, ils ont fait les fous. Hein. Ouais, vas-y. Oh, le coeur, viens, on va niquer les ballasts. Vas-y, là, vas-y. On fait les fous avant là. Vas-y, go les mitrailler. Vas-y, on le fait. Vas-y, va faire une descente. Mais tu fais. Oh, tu fais quoi là? Oh, le medic, il nique ta mère là. T'es trisomique ou quoi? Pourquoi t'écrases les gens? Oh, les ballasts! Putain. Relève-toi, fils de pute! Avant, vous avez fait les fous! Non, le tuer pas! Allez, monsieur crève! De la propre, part de la part, tuer, de la part de la part de l'entrepreneur! Mais t'as pouf ta mère, la pute! Eh, hey, niquez vos mères là! C'est moi le papa ici! Regarde! Je suis un entrepreneur, bande d'enculé! Niquez vos mères! M'en fous de ta vie! Oh non! Si, c'est gros! Non, je suis une autre en fait! Il est à l'hôpital, c'est mon ami. Lâche-le. Oh! Wesh! Salut, c'est Nook. Mais lâche-le, il va te réveiller pas ta roue du cul. Ouais, je vais te mettre une tête. Je m'en branle, gros. Je vais aller l'amener à l'hôpital. Oh, fils de pute. Wesh, gros, pas de ta pouf, ça va? Eh, je baisse ta grand-mère, bâtard. Ça va de ouf, vas-y, raide-moi. Putain, pas ta pouf, give a ghost gang, s'il te plaît. Non, ici, c'est monsieur propre gang. Est-ce que tu rêves ou pas là? Bah non, je rêve pas, celui-là en noir. Bah ouais, bah réanime-le ma gueule. Oui, mais pas celui-là en noir. Pourquoi? Mais pourquoi? Bah, si, t'es obligé, t'es ouf. Eh, oui, t'es obligé là. Niquez-lui sa mère. Bah. Eh ouais, t'es obligé. Oui, mais non, parce que. Bah oui, mais je serais obligé, mais on a vu que t'as un médecin. Un papillon. Mais non, vu que t'as un médecin, t'es obligé de tout faire pour que les gens. Mais non. Oh, le médecin, il veut poucave. Eh, c'est ton métier, gros. C'est pas mon métier de réanimer des personnes. Mais assume, frère. Si t'es pas compétent, ramène un autre MS. Bah non. Moi je dis niquez-lui sa mère. Ouais, tu vas jamais mettre ma gueule. Bah non. Mais si. Mais non. Bah vas-y, c'est pas ton métier, casse ton allez. Pourquoi tu me plantes dans le sol là? En vrai, ça va. Parce que. Non. Pourquoi il réanime pas ma gueule? Mais oui. Ah, ça me crucifie et tout, ok. C'est le sucer par contre. Non, je suis pas, c'est parce que je le connais, il m'a déjà carqué le chien. Bah voilà, raison de plus. C'est attends, genre gros patapouf avec Pélia et tout là. C'est la meuf ouais. D'avant, non? Ouais. Ah ouais, c'est parce que je lui ai dit qu'elle était pédée, c'est pour ça qu'elle allait ouais, nerfs. Ouais, clairement, ouais. Non, je peux pas en fait réanimer des personnes comme ça, c'est dans mon contrat. Si tu peux, t'es MS. Non, non, Oh, tu connais le serment d'Hippocrate? Il y a 5 personnes tu réanimes tout le monde. Ouais, même ce. T'es pas un juge en fait. C'est ton service. Réanime pas. T'es pas un tribunal, mec. Mais oui, j'y vais. Allez, bonne journée, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, ni ta mère. Bisous.
Bon, maintenant, monsieur le MS. Là, c'est toi qui fais. Qui non, non, ta en fait, il va pas rien faire. Frère, il doit faire son métier. Bisous, PDA. Ah, il a pas à se faire rien, c'est tout, gros. Mais ça si, peut être gros pataf pouf mes fesses, je m'en bats les couilles, gros, c'est tout. Je m'en bats les couilles, c'est tout, ouais. Mais j'étais au MS, t'es obligé de réanimer. Sinon, tu fais le virus. Bah, j'étais au MS aussi, tu sais que je m'en battais les couilles, hein. Clairement. Ok, bah, j'irai que je te reporte à l'admin, tu me fais RP, ça marche. Vas-y. C'est mon cousin, hein, le Fonda, comment, mais c'est pas grave. Pas là. Bah, ouais, parce que je suis somnambule, hein. Y'a quoi? Allez, je réapparais, y'a quoi, salope? Ok. Bah, je réapparais pas. Carré, 90 degrés, carré. Comment courir? Carré dans l'axe, rien de travers, tu détaches un code.